Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes à la Edge Convention et je suis avec Ramadi. Hello Ramadi. Salut. Alors toi, tu as une boîte qui s'appelle Push Start Bouton. Voilà, c'est ça. Voilà, dont tu nous as raconté l'histoire tout à l'heure. On la racontera en fin de vidéo rapidement parce que je trouve ça rigolo. Et on va voir ici l'ensemble des bornes que tu proposes, mais qui sont des bornes faites maison. Donc voilà. C'est ça l'idée en fait. L'idée de cette vidéo, c'est de montrer un petit peu tes skills au grand public. Et on va commencer par cette borne Donkey Kong. Je pensais que c'était une originale, je la trouvais vraiment en bon état. Je me dis, c'est quand même étrange. Et en fait, non. Non, c'est pas une originale, en fait, c'est une reproduction que j'ai faite. Moi, ça fait longtemps que je cherche une Donkey Kong, ça fait partie des bornes mythiques de ma jeunesse. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est quasi introuvable ou alors à des prix vraiment trop élevés. Alors un jour, je me suis lancé et du coup, j'ai réalisé un petit peu cette réplique. Et ça me fait plaisir parce que t'es pas la première personne qui me pensait que c'était une vraie. Donc je suis assez content. J'ai mis un écran CRT dedans voilà, pour avoir vraiment une image un peu d'époque. Et puis voilà, toute la déco, c'est une reproduction de l'original. Je me suis fait un peu plaisir. Ah, super boulot. T'as combien d'heures de travail sur cette borne? Et aussi, comment tu fais finalement pour retrouver les visuels d'origine, etc. Est-ce que tu as dû partir d'une véritable borne pour faire des scans ou je sais pas comment tu as fait? Non, alors en principe sur mes bartops, je travaille sur Photoshop. Là en fait j'ai récupéré sur des forums en fait les originaux, les stick art originaux de cette borne là. Et en fait j'ai juste eu à les imprimer, je les ai retouchés un tout petit peu des fois pour la qualité. Là par exemple je les ai retouchés un petit peu pour le ratio de pour la vitre. C'est pas vraiment au centimètre près la même taille, je l'ai fait moins profonde. Alors en fait je l'ai fait moins profonde parce que chez moi l'original aurait pris plus de place. Et en fait, je me suis aperçu que quand j'ai mis l'écran, ça dépassait derrière. Donc au final, je me suis fait avoir. La prochaine fois, je la ferai un peu plus profonde. J'en fais une autre. Et l'idée que j'ai, c'est en fait de me réaliser toutes les bornes un peu Nintendo comme ça. Donc il y a la Donkey, il y a la Popeye, il y a Donkey Kong 2. Enfin voilà, j'ai envie de tous me les faire pour essayer de me faire une petite collection de répliques, mais un petit peu fidèle à l'original. Super boulot, vraiment impressionnant. Il y a combien d'heures de travail là-dessus? Alors en fait je pourrais pas dire exactement, il y a plusieurs semaines. C'est parce qu'en fait je travaille pas 24 heures sur 24 dessus, tu vois. Comme moi j'ai un boulot à côté, ça c'est vraiment une passion, donc je le fais à mes heures libres, un peu le soir, un peu le week-end. Mais grosso modo on va dire que sur une borne comme ça, si j'assemble tout, je l'ai monté peut-être en une semaine. Super travail, bravo. Et dans cette vidéo, on va voir l'ensemble de tes bornes, hein, puisque donc il y en a plusieurs qui sont proposées. Allez, on passe à la borne suivante. Alors Ramadi, seconde borne, et c'est aussi un peu une repro, non? Ou comment t'appelles ça? Alors c'est pas une reproduction d'original, parce que l'original elle est différente, mais c'est pareil, ça fait partie des bornes mythiques que j'avais envie d'avoir. La Outrun, c'est la borne de toute ma jeunesse aussi. J'ai mis beaucoup d'argent quand j'étais gamin. Voilà. Et du coup, je me suis fait une petite reproduction qui n'est pas une reproduction d'original en fait. Là, c'est plus une création. Là, c'est une création, c'est une créa à 100%. Ouais, c'est une créa en fait. C'est une petite borne. Et alors, du coup, il y a un petit fauteuil. On peut sortir le petit fauteuil. Ah là. Yes. Voilà. Et du coup, on peut s'asseoir pour jouer tranquillement avec un petit volant. Alors, en fait, le truc, c'est que j'étais en vacances aux îles Canaries et je suis tombé sur une petite boutique qui vendait ce petit volant d'occasion. À 5 balles, 5 euros. Okay. Et en fait, quand j'ai vu le petit logo Ferrari, je me suis dit, bon, ça alors va. C'est pas un volant ultra qualitatif, mais je l'ai trouvé super sympa. Et je me suis dit, je vais construire la borne Outrun autour de ce petit volant, quoi. Ok. Donc et voilà, là, c'est une petite borne et on retrouve le jeu Outrun dedans. Alors, pareil, là, tu évalues à combien d'heures de travail là, cette borne? Pareil, hein, c'est pareil que pour la Donkey. Hein, si, y a à peu près 2 semaines de travail là-dessus, quand même. Deux semaines de travail. Ouais, 2 semaines de boulot. Après, ça dépend. Comme je travaille en fait, comme je t'ai dit, vraiment de temps en temps sur les bornes et pas toutes les journées d'affilée, je pense que si je cumule à peu près en 2 semaines le temps de faire les stickers, tout ça, ça met à peu près 2 semaines à la faire. Alors quels sont les outils que tu utilises? Donc tu as une CNC, tu as une découpeuse J'ai tout, j'ai une scie sur table, j'ai une défonceuse pour faire les rainures, j'ai plein d'outils, je me suis équipé de pas mal d'outils pour pouvoir travailler. Un peu toutes mes bornes. Je suis plutôt bien équipé, je travaille dans mon jardin, donc je fais pas mal de poussière dans le jardin, je nettoie après. Mais voilà, je travaille tout ce qui est découpe, je le fais dans le jardin. Okay. Et après, une fois que tout est découpé, tout ce qui est au propre, je le fais dans un petit atelier où il n'y a pas de poussière, il n'y a pas tout ça. Excellent. Voilà. Encore un et super là, boulot. Par contre, c'est des créations. Le marquis, c'est un montage Photoshop. La déco, j'ai repris l'image originale que j'ai modifiée un petit peu pour pouvoir en fait l'agrandir sur cette taille.
Et puis voilà. Excellent, donc là elle est ben, quand même pas mal sollicitée, hein. Il y avait pas mal de gamins dessus hier. Ouais, c'est bien, les enfants ils découvrent un petit peu Outrun et du coup je suis super content parce qu'ils kiffent quoi. Ouais, grave. Ils découvrent le jeu et c'est top de pouvoir leur proposer. On a deux simus, hein. On a un truc ultra moderne là et on a juste à côté en fait, c'était mon premier jeu de voiture. Du rétro. Outrun, c'était mon premier jeu de voiture et là c'est mon dernier jeu de voiture. Et du coup j'ai toujours une passion pour celui-là quoi. Ouais, bah c'était vraiment mythique Outrun, hein, dans les années bah, quoi, 80 je dirais, hein, c'est fin des années 80 peut-être. Mythique. Alors on va passer sur cette fois pas une borne mais un pin cab. Ouais. Alors à ma disque aussi on passe au flipper. Ouais. Alors ça c'est un flipper qui m'a demandé beaucoup de travail et il n'est pas encore terminé, c'est une version bêta. C'est la deuxième fois que je la ramène à la Edge Convention. J'avais vu la première fois que j'avais vu un pin cab, c'était à la Edge Convention. Et c'était le pin cap d'un gars qui s'appelle Razorback. Et je me suis dit, c'est trop galère à faire, c'est trop dur. Et puis un jour, je m'y suis mis. Et voilà, je suis content. Du coup, c'est un flipper qui permet d'avoir vraiment les sensations. Tu vois, t'as des vrais batteurs dedans. D'accord. T'as un accéléromètre qui permet de, tu vois, de bouger la table si jamais on a besoin de faire bouger la bille. Donc, t'as tous les éléments qui bougent. Et puis voilà, t'as tous les jeux de lumière, les flashs, les machins qui... qui fonctionne bien. C'est pas encore un produit complètement fini. Il y a plein de gens qui m'ont dit est-ce que tu en proposes à la vente et tout. Non, pas pour l'instant, c'est beaucoup trop de boulot et pour l'instant j'ai vraiment pas le temps de m'y consacrer à fond. Celui-là c'est le mien, je vais le terminer et puis après c'est pareil, j'aimerais bien en faire un deuxième sur Retour vers le futur. Ok, alors mais c'est vraiment une super créa. Quand tu dis que tu as les sensations, tu sais, quand tu tapes sur le côté en fait, qu'est-ce qu'il y a, t'as des relais dedans qui vont taper sur quelque chose? Ouais, il y a tout plein de relais, il y a tout plein de cartes, contrôleurs, il y a des vrais petits batteurs de... Tu vois, le son qu'on entend là, c'est pas le son du... Là, j'ai coupé le son. Donc du là, flipper. On le voit sur l'écran le batteur, mais t'en as un en dessous de l'écran, un vrai, ouais. Pour avoir la sensation. Ouais, il y en a un là. C'est un truc de malade. Là, il y a un vibreur qui permet de faire bouger toute la carlingue quand on a par exemple une grue sur Batman, on a une grue qui se déplace. D'accord. Sur la table Stranger Things, il y a la créature qui arrive, il y a tout le flipper qui vibre. Donc il y a des vibreurs sur les côtés. Et pour accentuer tout, ici devant là, j'ai collé un moteur d'essuie-glace de voiture. D'accord. Que j'ai branché aux cartes relais. Et incroyable. Du coup, ils sont en marche. Et du coup, on a le truc qui vibre à fond, quoi. Incroyable, mec. C'est un truc de fou. Tu peux même mettre une machine à laver dedans. Ça peut le faire. Non, mais c'est vraiment dingue. Donc la création à 100% perso. Ouais, 100%. La déco, tout. Il y a trois écrans à l'intérieur. Il y a un écran ici, on a un deuxième écran là et on a un troisième écran là. Ok, magnifique boulot, hein, ouais. Vraiment félicitations, c'est incroyable. Bon, eh ben, on passe à la suite, tu me diras quand on s'arrête, mais là je pense qu'il y en a encore pas mal. Hein. Tu peuples une bonne partie de la Edge Convention en fait, c'est un ouais, truc de dingue. Année, ouais. Et puis j'ai AHL qui me suit tout le temps, il est là. Ouais. AHL qu'on salue au passage. La grande fierté que j'ai, c'est que AHL possède une de mes machines chez lui. Ah, c'est incroyable. Et ça c'est et je pense que... À la fin de la convention, je vais voir avec lui s'il veut pas un flipper à la maison, peut-être un peu plus petit. Ah ouais. Et ben voilà. AHL, sur la borne, c'est sur la borne de Ramadi, c'est quoi tes jeux préférés? Comment ça sur ces bornes? Voilà. Oh, j'aime bien Outrun. Outrun, c'était vraiment une époque, ça m'a marqué quand même. Et puis il a fait une super borne, comme d'habitude. Moi, je suis fan de Ramadi. Il est trop cool. Merci AHL, c'est cool, on se retrouve tout à l'heure. Et moi je suis fan de AHL. Voilà, on est tous fans de AHL de toute façon. C'est la base. Ok. Après, si tu veux, je peux te présenter celle-là. Alors ça, c'est un modèle que j'ai jamais vu encore, hein. Je pense que c'est un modèle unique. Qui est juste à côté de nous là. On n'en avait pas parlé hier, mais c'est... ok, on va passer dessus. D'accord. Alors Ramadi, nouvelle borne, nouvelle particularité, c'est plus du flipper, mais c'est pas non plus une borne classique. Non. Simple joueur en fait, ou simplement deux joueurs. C'est pas une borne de joueurs. Non, ça c'est pas une borne de joueurs, c'est une borne quatre joueurs. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a deux joueurs ici qui jouent contre deux joueurs de l'autre côté. Donc ça fait vraiment deux contre deux. Je vais aller le montrer rapidos. Ouais. Donc voilà, de l'autre côté, on va retrouver la même chose en fait, avec de nouveau un panel de joueurs et ça permet donc de jouer à quatre. À quatre en même temps, sans être serré, tu vois. Et alors en fait, j'adorais ce jeu-là, V-Ball, c'est un jeu de volleyball. J'y jouais moi sur des bornes quand j'étais plus jeune, je l'avais eu sur console aussi. Et j'y jouais sur mes bornes, mais on jouait à deux et je me disais, c'est quand même dommage, parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 et c'est dommage de ne pas avoir une borne où on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et du coup, j'ai créé ce modèle, 2 contre 2. Alors c'est génial parce que
tous ceux qui y jouent, automatiquement, tu sais, ils sont là, ils sont en train de jouer. Et dès qu'ils marquent un point, hop, ça chambre juste en face, tu vois. Et ça, c'est systématique, ça chambre. Et c'est une borne qui met dans les soirées, moi, avec mes potes. C'est un truc qui met vraiment une super ambiance. C'est voilà, à 4 c'est convivial. En plus, on est là en face de l'autre, enfin une team en face de l'autre, donc c'est excellent. C'est ultra convivial et du coup, ça prend tous les jeux à 2, 3 et 4 joueurs. C'est la même image sur les deux écrans. Tout simplement. Tout simplement, en fait, c'est un double switch que j'ai mis sur l'HDMI. Et en fait, l'ordinateur envoie les deux images. D'accord. Et puis après, t'as 4 contrôleurs comme t'aurais sur n'importe quelle borne, 4 joueurs classiques, quoi. Voilà. Mais en façade, normalement. En façade, ouais. Ok, excellente idée, voilà, excellente borne. Magnifique boulot, Ramadi. Alors, cette fois, on va passer maintenant de nouveau un peu à quelque chose qui va ressembler à ça, mais de plus conventionnel, on va dire. Voilà, on a gardé le plus conventionnel pour la fin. Et après, on passera à l'histoire du nom de ta société, qui est vraiment un truc que j'ai trouvé excellent. On en a parlé en off tout à l'heure. Ok. Alors, le côté bar top de la force, avec une petite surprise sur le troisième bar top, un truc que vous n'avez jamais vu, qui est une idée originale de Ramadi. Je n'en dis pas plus, voilà. Ben ça, c'est des bar top classiques, en fait. Celle-là, elle a été faite vraiment pour la sortie de les 40 ans de l'album Thriller. Donc voilà, c'est un bar top classique, hein, sympa. La petite particularité, c'est qu'il y a un petit monnayeur sur le dessus, là. D'accord. Vraiment, un monnayeur maison. Ça marche avec des pièces de 10 francs. Ça marche avec des pièces de 10 francs, donc ça marche avec toutes les pièces, mais moi, je mets des pièces de 10 francs. Ok. Voilà. Ça, c'est un bar top un peu plus gros en fait. Celui-là, c'est un bar top qui est assez costaud, qui permet en fait de jouer vraiment à tout ce qu'on veut. C'est ultra fluide. Et la particularité de celle-là, c'est qu'elle m'a été dédicacée du coup par Brigitte Lecordier. Yes, excellent. Attends, je vais montrer. Freezer, on la voit pas trop. Et Eric Legrand qui fait la voix de Vegeta. Freezer, donc on avait fait une vidéo ensemble justement à la Edge Convention 2022. Alors ça, c'était. Je les ai fait dédicacer à la Philippe convention Ariotti. De Gamensco. Ah d'accord, ouais. Notre ami Gwen ici présent. Avec l'ami Gwen, et en fait ils sont venus me dédicacer la borne. Excellent. Et ça c'est un troisième bar top, alors je te le présente un peu en avant-première. En exclusivité. Voilà, c'est la PSB Swap, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et alors en fait l'idée c'est d'avoir une borne sur laquelle on joue avec les potes, et quand on veut partir un samedi soir chez les copains, c'est un peu galère de prendre toute la borne et de se barrer avec, donc c'est une version bêta encore. Alors l'idée là en fait c'est qu'on a un pad qui est aimanté. On tire dessus, il se détache et ça permet, en fait, on débranche et ça permet, hop, d'emmener son pad chez les potes. On le branche à une télé HDMI et c'est parti pour des heures de jeu rétro sur la télévision. Excellent, putain, mais c'est vraiment top, quoi. Une super idée que tu as eue. Ça bouge plus. Excellent, excellent, excellent. Voilà. Franchement, ouais, c'est ça. Ouais, tu rends ta borne transportable, en fait, bar top transportable. C'est une borne, mais on peut l'emmener chez les potes. Voilà, tu détaches la partie active, quoi, l'intelligence de la borne, et puis les contrôleurs, quoi, forcément. Et tu vas chez les copains tranquillou. Voilà, et alors celle-là, ça fait 3 ans qu'elle est prête, j'ai toujours pas eu le temps de la présenter, donc là, c'est le grand moment. C'est un pur happening de cette Edge Convention 2024, c'est incroyable. Voilà, et ça fait 3 ans qu'elle est chez la Edge, et personne n'a jamais vu que le pad pouvait s'enlever. Ok, les aimants sont puissants. Ouais. Alors Ramadi, maintenant on va passer sur le côté social et même professionnel de la force, et on va voir que le jeu vidéo, ça ne tue pas des enfants, ça on le savait déjà, mais en plus ça peut upgrader en fait leurs compétences dans plusieurs domaines. Tout à fait. Alors en fait moi comme je suis animateur d'une structure jeunesse, je profite de ma passion des bornes d'arcade pour inciter des jeunes qui sont très accros aux jeux vidéo à travailler sur un projet borne d'arcade. Mais derrière ce projet de faire une borne d'arcade, il y a en fait la découverte des métiers. C'est-à-dire que pour fabriquer une borne d'arcade, par exemple, ces deux-là ont été réalisés par des jeunes. Donc en fait, tu vois, il y a besoin de faire des découpes, des choses comme ça. Donc je les amène au menuisier de la ville. Et le menuisier leur explique son travail. Comment il travaille, comment il faut découper le bois, comment il faut le poncer, comment il faut le peindre. Il leur explique tout ça. Ensuite, ils ont un atelier Photoshop qui va durer à peu près une semaine, où je les initie à Photoshop, donc ils comprennent le logiciel, ils commencent à faire des montages, je les aide. Et puis après, on s'attaque à la borne. Donc on fait la découpe de bois, on fait la peinture, on fait tout ça. Ensuite, il y a la partie un peu programmation, soudure. Il y a aussi un cas où j'avais incrusté dans la déco la photo des jeunes eux-mêmes. Donc en fait, on les avait pris sur un fond vert. Mais je leur ai dit, moi, je ne sais pas trop comment ça marche les fonds verts. On va aller voir un vrai photographe qui va nous expliquer. Donc je les ai amenés chez un vrai photographe qui leur a expliqué son métier. Qui a expliqué le métier de photographe, qui nous a donné des conseils et tout. Puis au fur et à mesure, on acquiert des connaissances. Les jeunes apprennent beaucoup de choses et on monte la borne. Et du coup, voilà, on a des réalisations. Alors le but aussi, c'est pas de faire des bornes parfaites. C'est-à-dire que je leur donne des consignes, ils montent la borne. S'il y a des défauts, je les laisse volontairement. Par exemple, là, il n'y a pas de baguette en haut, il n'y a pas de baguette en corps, il y a des vis apparentes.
Voilà, après l'idée c'est quand moi je repars sur un autre projet, l'idée c'est encore d'améliorer la borne. Et donc on a réalisé ces deux bornes avec les jeunes, et celle-là on l'a... Alors, on a réalisé cette borne là en fait à destination des jeunes handicapés. C'est-à-dire qu'il y a un socle, donc on peut enlever la borne et on la descend et elle est pile poil à la taille d'un fauteuil. Excellent, vraiment, voilà. C'est top quoi. Alors vous avez réalisé en tout et pour tout combien de bornes avec ces jeunes ? En tout on a fabriqué 4 bornes. Voilà, 4 bornes d'arcade. Là, donc là j'en ai amené 2, j'aime bien aussi les amener sur les salons. Ça permet aussi aux gens de voir un peu le travail des gamins que je suis. Mais aussi ce qui est super intéressant, c'est que du coup par rapport à ce travail, on est devenu ambassadeur d'une association qui s'appelle Pédagogieux, qui milite pour les bonnes utilisations des jeux auprès des enfants mais aussi auprès des parents, parce que des fois il y a une incompréhension des parents sur le fait que les jeunes jouent trop ou alors ou ils jouent à certains jeux que les parents n'arrivent pas à comprendre. Donc du coup on travaille avec les parents, avec les enfants, et on leur explique aux deux que le jeu vidéo est une vraie passion et qu'il n'y a pas de danger si c'est dans une bonne proportion. Voilà, excellent. Bah écoute, bravo pour tout ça. Donc à la fois le côté humain et le côté réalisation technique, physique et puis logiciel, quoi, comme voilà. On l'a vu sur les différentes bornes. Et pour finir, comme je l'avais promis, les mots ont une histoire, et donc le nom de ta société, Push Start Button, a une histoire que tu vas nous raconter tout de suite. Ouais, alors Push Start Button, en fait, moi quand j'étais gamin, je traînais dans des salles d'arcade tout le temps, et on avait une salle d'arcade qui venait avec une fête foraine à là où j'habite, à Montreux. Et du coup, je mettais l'argent. Le problème, c'est que, tu sais, à l'époque des demi-tarifs, les bandes d'arcade, il n'y avait pas de demi-tarifs, quoi. Il fallait que tu mettes ton argent. Donc, mon argent s'épuisait très vite. Et quand j'avais plus de thunes, en fait, je restais, moi, toute la journée dans la salle d'arcade. Je faisais pas de manège. Et il arrivait de temps en temps qu'il y avait un gars qui jouait à la borne et qui partait. Et du coup, on arrive devant la borne et on voit écrit « Push Start Button », tu vois. Et du coup, on s'est dit « Waouh, il y a un crédit. Le gars, il est parti, il a oublié son crédit. » Alors du coup, tu appuies vite fait sur un joueur et du coup, tu te mettais à jouer. Et en fait, j'ai rodé dans toutes les bornes pour découvrir cette petite inscription Push Start Button. Et voilà, et 40 ans plus tard, j'ai appelé ma boîte Push Start Button en souvenir de cette petite anecdote. Et 40 ans plus tard, du coup, les gamins n'ont plus besoin de faire le tour de toutes les bornes pour chercher le Push Start Button. Ils peuvent jouer en illimité, par exemple, à l'Edge Convention, là où nous sommes actuellement. Et gratuitement en plus. Excellent. Et dans une bonne ambiance de convivialité et de partage. Absolument. Merci pour cette présentation, Ramadi, et bravo pour tout ce que tu fais pour les jeunes et pour le monde du jeu vidéo rétro en général. Merci à toi, Rétropolo, et merci à toute la communauté dont je fais partie. Je te remercie, ça fait super plaisir. Et en parlant de communauté, justement, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du boulot de Ramadi et puis de ce qu'il fait aussi au niveau social, qui est également un truc vraiment très important, ce qu'il fait pour la transmission des valeurs et du travail, en fait, du savoir, d'une génération à l'autre au niveau professionnel. C'est vraiment top, quoi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusque-là et à très vite. Ciao, salut Ramadi. Ciao.